Allô, 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 allô. Voilà, le son est là. Maintenant, je crois que le son est arrivé. Ah, vous le mettez en bas là, pourquoi? Allô, 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 allô. Voilà. Ah, mon Dieu. Je vais devoir recommencer, donc c'est pas grave. Je vais essayer de d'être bref, parce que là, je crois, la batterie est presque finie. Voilà. Bon, aujourd'hui, je retourne sur là, malgré Nimi Katani, Magamani Katani déjà, et Vidéo Liboso, ils ont Katana parce qu'il n'y avait pas le son. Et que. Vidéo Liboso Katani parce qu'il n'y avait pas le son. Et que. C'était très difficile pour moi de parler, il n'y avait pas les sons. C'est pour cette raison que je suis obligé de recommencer cette vidéo. Bon, je vais essayer de faire bref pour que les choses ne soient pas pris et encore, on va recommencer. C'est pas grave, donc la vie c'est comme ça. Il y a les hauts et il y a les bas. Donc, j'étais en train de dire que la situation, il y a un beau cannabis. Comme vous voyez, la binôme la sujet la Tijuana les lots, ils allient situation politique aux autres les cas, dans le cannabis. Donc dans le bas, on déjà Kala, dans le bas qui est en haut, Malébélé, dans le bas, on est sous les lots Oyo, que, Makambo, il y a un beau cannabis, nous devons savoir, toujours bon de la Nini, toujours bon de la Nini, toujours bon de la pourquoi. Parce que ce qu'on y a dit, pourquoi. Toujours Bundela. Ah, merci, ma sœur. Ah, merci, merci, c'est audible maintenant. Là. Cool. C'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. On va essayer, excusez-moi, je vais essayer pendant 45 minutes, les gens qui se sont connectés. Je vais essayer pendant 45 minutes. Là, vous savez, on est en train de refaire notre studio. On est en train de faire notre studio et les travaux marchent très bien. Hier, presque, on a travaillé durement. Jusqu'à là, on est en train de travailler. Bientôt, nous allons être à Kinshasa sur TNT. Et puis, notre objectif, comme je vous ai expliqué la première fois, objectif pas du saut, il y a 10 à médias, il y a les contrôle d'abord, il y a médias. Vous savez, quand vous avez les contrôles des médias, vous pouvez passer les messages. Et les peuples qui est éduqué, les peuples qui ont eu information, ne vous permettra pas la décision. Les combats que nous faisons, il y a les combats, au salaire, pas pour nous-mêmes. Je vous ai dit que. On n'envie pas les députés qui sont là-bas. Si les gens qui sont partis avec Félix au pouvoir, à Kinshasa, ils pensent que bah, comme ils prennent un bon, voilà, ça n'est rien du tout. Parce qu'il y a des Congolais ici en Europe, ça je peux vous garantir. Oui, bah, un bon moment, on a idée de coller comme un député, on a mais calme. Il y a des médecins, il y a des gens, par exemple, il y a un ministre qui est avec Félix là-bas, que je connais personnellement. En Belgique, c'est presque un millionnaire. Hein, parce qu'il a, c'est un médecin. J'ai eu la chance hier au Solanae. Je ne vous dirai pas les noms, juste pour la polémique. On ne se bat pas pour l'argent pour aller chercher les postes. Moi, je vous ai dit tout le temps que si je vais aller travailler au Congo, je vais aller travailler. D'abord, ça va être pour mon peuple. Je vous ai dit que moi, je viens du village de l'Équateur. Je suis un villageois de l'Équateur. Et mon peuple est en train de souffrir là-bas. Et moi, la raison de mon combat, c'est d'aller arranger les miens chez moi à l'Équateur. D'abord, vous ne pouvez pas changer faire les choses pour les Congos, les Zaïre, les Congos, les Kinshasa, si chez vous, dans votre village, à Businga, Guéména, comment il n'y a rien qui s'est passé. Alors, si vous vous battez parce que vous voulez arranger les Congos, je vais vous appeler des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gens, vous êtes en train de faire semblant, quoi. Vous faites, parce qu'il est impossible, oh, bah, que, bon, c'est donc Kinshasa, si dans ton village, Nakabea, Kamwanga, ça ne marche pas. Moi, mon objectif dans ces combats, c'est d'abord de corriger les erreurs du maréchal Mobutu. Je vous ai dit que je suis le président des Mobutistes et le corrompu. Et je suis fier d'être, moi, un Mobutu, CCC, comme maréchal. Je respecte ceux qui insultent. Pas de souci. Mais je vous dis ceci. Regardez mon comportement. Ne prenez pas les gens qui insultent ou déchirent le drapeau ou qui vous font des bêtises, que ce sont les enfants du maréchal. Moi, je suis le fils du maréchal Mobutu, politiquement. Et ça, c'est clair.
Je me suis mis debout. Nous avons au moins 15 000 personnes, au moins 15 000 personnes qui adhèrent avec cette idée, c'est-à-dire de protéger l'unité nationale, ce que les maréchaux nous avaient laissé, d'accepter où était la faute du maréchal et si possible, de tout corriger en haut. C'est la raison de mon combat. Et mon combat ne se limite pas parce que je connais Félix et Félix est devenu président. Pour moi, c'est fini, non. Félix doit faire du travail. Pour qu'il fasse du travail, il a besoin de soutien de tout le monde. Nous avons un problème. Le problème était que le FCC, que les médiocres dégagent. Nous tous, y compris Félix. C'est pourquoi, c'est vrai que je soutiens Félix, mais je ne soutiens pas les défauts, les mauvaises actions de Félix. Ça doit être clair dans vos caboches. Écoute, appelle-moi bien fan. C'est-à-dire que je ne suis pas un fanatique qui va soutenir Kapona Sengo, Félix, Ndekolangai Félix, Nalingio Mingi Félix, Yoka autour, ça, ils ont parfait, non. Non. Mais je pense que nous tous, Congolais, nous devions agir comme ça. C'est-à-dire que soutenir ce qui est bien, les bonnes actions, parce qu'il est notre frère. Et lui rappeler à chaque instant que les kabylistes ne sont pas. Ces gens-là ne peuvent pas vouloir que Félix réussisse. Écoutez vous-même les déclarations de Shadary à Lubumbashi. Si vous remarquez très bien les déclarations de ce politicien, vous allez comprendre que il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le langage entre les lignes. Parce que notre objectif, ne doit pas, le combat ne doit pas être que Félix soit président ou Fayulu. L'objectif du combat, c'est d'abord de libérer le peuple congolais, la misère, la bouzoba, la dictature, la machiavélisme. Moi, je vous ai donné un exemple. Un député qui gagne 12 000, 8 000 dollars par mois, et les professeurs d'université en gagnent 500 dollars, 300 dollars. Et des fois, il n'est même pas payé pendant des mois, les médecins. Et dans un pays comme ça, vous voulez dire que vous êtes le défenseur du peuple. Les gens qui devraient se sacrifier d'abord, ça devrait être ceux qui disent qu'ils représentent le peuple, le député. Ils ne le font pas. Et du coup, le travail est encore énorme. Mais le travail sera affaibli. Ne croyez pas que si le genre de le Kabylis, le FCC, essaie d'écarter Félix, ou bien Félix n'est plus au pouvoir, ou bien Sindicié touche, ou bien destitué, que vous, les gens de Fayoulou, que vous, les résistants, que vous qui êtes dans l'opposition, et que c'est vous qui allez prendre le pouvoir. C'est stupide de voir ça. Moi, je pense que dès qu'il y a une occasion, il y a conflit entre FCC et Félix, nous tous, on devrait être derrière Félix. Et vous me faites rire des fois, vous dites que. Moi, je vous ai dit que les élections, là, c'était de la mascarade. Je n'ai jamais crié aux élections organisées par Kabila. Non. Je n'ai jamais crié aux élections organisées par Kabila. Je n'ai jamais. Il y a eu un fait, Félix est devenu président, il est le président, bingo. Je vous ai dit au mois de février que le monsieur est le président, ce que nous devons faire, nous devons jeter l'éponge, soutenir le monsieur et on avance. Non seulement les soutenir, protéger aussi notre pays. Parce que ce que vous oubliez, quand vous donnez, on ne peut pas donner à Félix l'échec à blanc. C'est-à-dire qu'il y a un chèque, ça, on a Congo, nous, on l'ingi. Les Congo n'appartiennent pas à Félix. On doit soutenir Félix. Tout en disant à Félix certaines vérités. Ici, non. Le président, non. C'est ça un bon conseiller. Ne suivez pas les fanatiques qui pensent que ce que Félix Anamoukida Tonga, c'est qui? Assaï Malam. Abeti Bakou. Assaï Malam. Assali Kaka. Assaï Malam. Assali Bo. Non. Ce sont les gens-là qui détruisent. Ce sont les mêmes gens qui étaient avec Kabila le père. Même pas Kabila le père. Kabila le fils. Et qui l'ont détruit. N'oubliez pas que moi, j'étais le jeune à côté de Mobutiste. Je vous ai dit ça. Je connais quand vous avez des gens, vous avez un conseiller, vous avez quelqu'un qui, tout ce que vous dites, les paroles d'évangile, c'est très dangereux. Non seulement les dangers, c'est pas que c'est très dangereux, le monsieur vous dit des choses pour vous plaire. Moi, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui tout le temps est en train de me dire des choses, tout ce que je fais est bien, il ne me corrige pas, il ne me dit pas, même en relation, même en amitié, même en relation homme et femme, même en amour, même au travail, même parmi les amis.
Celui qui aime vraiment une personne, tu dis la vérité. Oui, Félix a le pouvoir. Pourquoi on s'est piraté? Jamais. Je vous donne juste un exemple. Fayulu a dit, je suis Fayulu en France. Il a dit, la solution que lui peut proposer, c'est le... Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit le... En 2021, qu'il ait les élections anticipées. Et quand j'ai regardé, il y avait des gens dans la salle, hein, une centaine de personnes qui étaient dans la salle. Là-bas, les gens étaient des gens très intellectuels. Moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas intellectuel, je suis villageois de l'Équateur. Hein. Donc, mais les messieurs vous disent devant vous, la solution, moi, je réclame la vérité des urnes. La solution, la meilleure solution, il faudrait qu'on aille aux élections anticipées. En logique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Makamba vérité désire doit aller ici. Élection anticipée qui va l'organiser. Ça va être Kabila qui va organiser les élections anticipées. Les élections anticipées, ça va, c'est pas Félix. Donc Félix est président, point barre. Le vrai problème, ce n'est plus les doutes de douter que c'est Félix qui est président, c'est pas Félix qui est le président. Le vrai problème est que de faire savoir Félix qu'il doit marcher avec le peuple. Parce qu'on s'en fout du FCC. FCC s'est accroché de Félix. Je le répète encore. Félix a sauvé FCC, la kabyliste, la colère à la population. Je vous le répète encore. Les kabylistes acceptent de travailler avec Félix. Ce n'est pas parce que Malingui Félix est mieux que Malingui DPS. Mais j'avais dit quelque chose ici. Je vis une vidéo du secrétaire général. Il y a UDPS et Augustin Kabouya. Quand je vis ça, je n'ai rien contre le monsieur. C'est un parti politique. Bon, les gens me diront peut-être que le monsieur n'est pas dans la politique, mais il a dit ceci. Seul que 70%. Il y a bateau au travers le ministère, il y a bateau dans l'IDPS. Je vois un bateau IDPS. Je me pose juste une question. Je vais juste savoir, est-ce qu'on se bat, on s'est battu pour que nous ayons du poste, des postes, ou on s'est battu pour le peuple congolais? C'est les Congolais qui doivent avoir des fonctions. Imaginez aujourd'hui si l'IDPS n'est plus au pouvoir. Ou quand mon père politique, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le king, voilà, vient en arrière. Il a Assad Babouzo Bébélé, c'est vrai. Abomissi Batebélé, c'est vrai. Abongisi Social à la Congolette, c'est vrai. Mais là, on vient à la salle à la Congo. Si vous allez me haïr, haïssez-moi. Unité Yambo Kanabiso. En tout cas, je suis le président des Mobutistes et non corrompus. Parce que moi, je suis pas corrompu. Je suis un non corrompu, moi. Tu peux pas venir m'acheter avec. Je vous ai dit qu'on doit se battre pour le Congo. Félix est au pouvoir. Félix doit faire les choses correctement selon la population. La volonté du peuple. Toute action positive de Félix, nous devons soutenir. Tout, je dis bien toute action positive. Je dis action Nyonso sur Félix, là où nous devons soutenir. Action Nyonso sur Yamabe, le cola, Bazam a partenaire à Bissot, nous devons dire à Félix non. Vous savez, ce langage va partenaire doit finir. Félix peut continuer de le dire, Félix est un politicien. Mais nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là soient nos partenaires. Parce que Félix étant président et Mboka, lui, a ça la volonté, il n'y a peuple. C'est-à-dire, si il a déjà osé, en prenant le pouvoir, en disant qu'il n'y aura pas chasse à l'homme, il a osé. Et oser, on a. Il y a un risque à Zui que la population va inailler, mais à protéger, excusez-moi les termes,
ma médiocre, je ne vais pas les insulter ici, à protéger ma médiocre. Voilà. Parce qu'ils sont des médiocres. Donc, ils ne sont pas des médiocres parce que, oh, bah, Rwandais, oh, bah, Burundais, bah, Pakistanais, non. Ils sont des médiocres parce qu'ils n'arrivent pas à transformer la vie de la population. Apparemment, on nous a dit que le président Eduardo Santos d'Angola était venu du São Tomé. São Tomé. Mais regardez au moins en Angola. Oh, il y a la Congo, tout de même la richesse qu'on est Kabango. Il y a une classe moyenne. Le Congolais va voir que vit en Angola. Il a construit des routes. Ça n'a rien à voir qu'il soit angolais ou bien pas angolais, mais il a construit chez lui. Si Kabila était même pakistanais, rwandais, burundais, s'il avait arrangé les Congos, s'il y avait une classe moyenne, s'il y avait le économie, ils ont tourné bien, les Alli, les Alli, qui parlerait des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens? Écoutez, quand Dieu a créé l'Afrique, je ne suis pas contre, ne me mélangez pas que je suis devenu Rwandais. Quand Dieu a créé l'Afrique, ce n'est pas Dieu qui a donné les Congos. Ce sont les Blancs qui sont venus, ils ont divisé les Congos ABC. ABCD. Au Rwanda, il y a des Congolais qui sont là-bas et qui sont devenus même des Rwandais. Mais les gens qui sont là-bas n'osent pas opprimer la population. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que ces gens-là doivent nous respecter. La raison qu'ils ne nous respectent pas, parce que nos politiciens descendent leurs culottes devant ces gens-là. On doit parler comme des hommes. On doit parler comme des hommes. Et croyez-moi, les Congolais ne sont pas des lâches. Moi, je me suis battu avec les militaires congolais. Cameroun, Congolais, Akoradi, Toumbaté, non, non, non. Là, vous ne connaissez pas les Congolais. Vous ne connaissez pas les Congolais. Le problème des Congolais, c'est un problème de leadership. Le problème congolais, le problème, il y a un chef, Bazamalamouté. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, les responsables qui ont des responsabilités ne pensent qu'à leur ventre. Parce que vous savez au moins que moi, je me battais avec des militaires au front et les militaires n'ont rien à manger. Rien à manger. Mais on se bat au front. Ce n'est pas qu'on ne capturait pas des villes, on capturait pas des villes, on avait de l'argent. Pour que les militaires mangent, on doit se démerder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires commencent maintenant à rançonner les gens, il y a aucun Banzela, tout ça. Mais quand toi tu es un bon leader, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes une solution au problème. Parce que quand les militaires commencent à bloquer, je vous donne juste un exemple, hein, simple. Parce que si on vous donne les exemples d'autres personnes, vous allez dire que on est en train de donner, par exemple, à Tomoussoussou ou Ezaté. Quand on avait ouvert le centre de formation d'antiterroristes à Kassangoulou, durant la Deuxième République, je faisais partie des gens qui étaient allés là-bas. Vers la fin, on était parti là-bas, et très jeune. Hein. Et les militaires étaient en train de bloquer les routes de Matadi. Parce qu'il n'y avait pas de rations. Bon, soyez, il y a des colocs, mais militaire, beaucoup de gens, là, les. Et les militaires qui avaient les armes, bah, Katanzela Bazayi, Wala Mubimba, qui bloquaient ma mitouka, qui rançonnaient, qui bottent dans Tumbango, qui bottent dans Massacre, qui foufou, tout ça. J'ai dit à un major qui était là, qui s'appelle un major Yangi, en Suisse aujourd'hui, ramenez mon major, je peux apporter une solution à ces situations, comment tu vas aller faire? Alors, il dit, d'abord, la première chose, on va sécuriser la route Kinshasa-Matadi. Il m'a dit, mais comment on peut le faire? J'ai dit non. On n'oblige pas les militaires, les gens qui les gens du camion, mais pour les sécuriser, on commence d'abord par mettre dans chaque véhicule qui va vers Matadi, on met un foutu sur la mon armement. Objectif est là simple. Ils allaient qu'on sécurise Bango, parce que soldats là, à Koye, Babato, Bako, attaquer, Mituka, soit des amis, soit des ennemis, soit comme Matadi, tant qu'on on ne demande rien. Mais ce bazar est pas niveau parce que quelque chose pour le soldat, ils peuvent le faire. Barrière, il y a Kassangoulou. Il y a les Bosso. Barrière, au moment là, comment tu es belé, 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 voilà, ils ont toujours abusé. C'est moi qui avais ouvert ça. Première nuit, nuit à Bosso.
Autre chose, soldat, la semaine, une semaine, une semaine, escorter, tout cas, pour éviter les pillages, les pillages, les pillages, les pillages, les pillages, les quand les véhicules rentraient, ma maman, chaque camion, on a 3 à 4 sacs à foufou. Et la nuit, Moko, tu vois 400 sacs à foufou que la population a contribué à donner. 400 sacs. Les antitéros qui ont fait Kassangoulou, ceux qui ont fait la formation de garde rapprochée, ils peuvent vous le dire. 400 sacs. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, 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 400 sacs, on ne va pas. Ok, là, on a dans Gambela, tout est qui parti, parti, nous sommes tous, tout sont mis ton sang, tout sont mis ma dessous, tout zongi. C'est-à-dire que quand il y a un camp, on n'avait plus faim. Jusqu'à ce que, à l'époque, le général Vumbo, avec le Benganaï, j'ai eu l'idée, là, qui bien, tout ça, blablabla, félicitations, blah, blah. Il y avait à manger. Et non seulement à manger pour les militaires, même les officiers qui étaient avec nous, qui étaient au Bazaïa, qui détachaient la Katia, place à formation, là, parce que nous étions avec les Égyptiens. Bah, comment qu'on soit en ration, il y a un sac à Madessou, un sac à Losso, un sac à Foufou. C'est-à-dire, bah, camion dans ce qu'il y a, tout est tout équipé en haut, tout son bibilo, qu'est-ce qu'il faut sombre, tout partageant de telle sorte que non, soldat des rangs, et puis il, automatiquement, dans un matin, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les problèmes à Congo, ils ont des problèmes, il y a leadership. C'est pareil avec Mboka Mbimandeng et Zampal. Comment est-ce que vous pouvez accepter que Mboka a dit ça, classe moyenne et Zahate? Mais parce que nous leur avons laissé la place. Et maintenant, dites-moi qui est le politicien congolais. Vous êtes en train de vous étonner, Kabila Linga Yokana, na Katoum. Mais c'est normal. C'est Kabila Linga Yokana Katoum. Mais c'est normal. Parce que, un, Katoumbi n'a pas fait les mêmes combats que vous. Félix a fait les mêmes combats que vous. Je sais que vous voulez que vous avez un mot, ça, c'est vous allez le dire. Mais le monsieur a fait les mêmes combats que vous. C'est-à-dire le monsieur, vous m'avez dit que vous avez un président, miette, mais le monsieur maintenant notre président. Avant, il n'avait pas la responsabilité. Maintenant, il a notre pays entre ses mains. Est-ce que Moto a mené Maki, le cabinet mort le vaga? Est-ce que Obunda? Non, Maki n'est pas souka. Ça dit Moto, exact, Moto a cani moi en ayo. Alors, il décide de se boyer, on boit comme moi en abino, moi non, on a sa koufa. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personnes? On a cours à leadership autant. On négocie, on discute. Admettons que Félix, c'est un collabo. Admettons que Félix a trahi Mboka. Admettons que Félix a haï Mboka. Mais Félix a le Congo entre ses mains. Le Congo, c'est notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer de stratégie et retravailler à Félix. C'est-à-dire quoi? Soutenir Félix, le soutenir quand il y a de bonnes choses. Le condamner quand il y a de mauvaises choses. Pourquoi? Un, toi et moi, tu n'es pas arrivé à prendre le pouvoir entre les mains de Kabila. On n'est pas arrivé à prendre le pouvoir entre le pouvoir de Kabila. Toi et moi, nous n'avons pas pu mobiliser la population pour marcher contre Kabila au Congo. Nous nous sommes limités en nous divisant, en nous diabolisant. Que les gens qui sont avec Félix ne vous effraient pas. Ne réagissez pas contre Félix par rapport aux gens qui sont en train de vous dire « Oh, comme il tourne à Bissot, Bokoyoka, Bokoner. » Non, les gens là, ce sont les herbes qui vont être écrasées dès que les lions ou bien les éléphants vont se battre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous haïssez Félix à cause des gens qui vous répondent sur des réseaux sociaux. Pas à cause de lui, ce qu'il vous dit. Dites-moi un jour, langage n'y a ma bien, monsieur, on a fini de répondre. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi aussi, je vois des gens qui sont avec Félix, bien à côté de Félix. Parce qu'on a un comportement, moi si je suis à côté de Félix, je ne peux pas l'afficher. Un, si Félix était encore dans l'opposition,
On aurait pu comprendre certaines raisons. Il y a des gens qui sont des haineux. Les haineux, on les traite par l'amour. La haine est traitée par l'amour. Vous comprenez? La haine est traitée par l'amour. Mais ce n'est pas la stupidité. Tu peux te défendre à un certain moment. Mais tu ne pourras pas me dire que tu es en train de te défendre quand quelqu'un finit. Il y a maman à eux pour finir, maman à eux. Ça, c'est une défense. Non. Quelqu'un finit, il y a maman à eux. Toi, tu le regardes. Tu dis d'accord, pas de souci. Mais tu classes la personne. Regardez-vous. Quand les gens vous insultent, vous commencez à les insulter. Donc, du coup, tout ça, ils ont beaucoup poussé Binotech et beaucoup la haine contre Félix. Vous voyez, on ne vous tient pas à Félix. Vous comprenez? Parce que je suis. Ma avion, par exemple, il y a crash à avion. Voilà. Et vous êtes en train de vous réjouir que Makomo Lia. Au lieu de la moussabine, nos cerveaux, awa, c'est que Neko, mon amayo, il y a comme au télé, mais la va joyo. C'est que net, mon amayo, comme au télé, mais la va joyo. Tant ça, la nini, si koyo, banamay, pendaboul. Chadal, il y a comme au sabino ouvertement. Oh, ma camboya, il y a gratuité à l'école, voilà. Ils ont ma cambo kabila, c'est là qu'il y a nous. Mais, notre mot à la classe. Vous avez un diplôme. Vous savez comment réfléchir. Ça veut dire quoi, langage? Il y a Chadali. Ce qui va salir ma partenaire, il y a Solo. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des partenaires. Ça veut dire que Félix est en train de leur mettre des crocs à jambes. Et vous ne pouvez même pas lire de petites choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi, batterie dans la MSI, ça va couper là. Et qu'est-ce que vous avez fait? Regardez vos commentaires. Hein? Regardez seulement vos commentaires. Regardez vos commentaires. Hein? Ah, vous suivez. Ah, Kabila Robomaye, Bangola. Si les gens de Kabilistes tuent Félix aujourd'hui, ça ne serait pas Fayulu qui va prendre le pouvoir. Non. Voilà une raison de plus où, si nous aimons les Congos, nous devons être à mesure de dire à Félix non, ici non, de lui dire oui. Là où il faut dire oui. Mais les choses ne vont pas marcher. Même Jésus-Christ a dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Nous marchons ensemble comment? Nous marchons ensemble avec un objectif commun qui est le Congo. Libérer le Congo. Le Congo n'est pas encore libéré. La libération du Congo, ça ne veut pas dire que non, on va Rwanda, va prendre. Non, la libération du Congo est d'abord économique. Dans un pays riche tel que le Congo, les gens sont en train de souffrir. Un pays tel que le Rwanda. Ne haïssez pas le Rwanda si le Rwanda a Tongi, Izimbi, a smartphone. Et regardez vos réactions. On peut boycotter ma smartphone de Kourouta dans le Rwanda. Mais vous avez un problème dans vos têtes là. Est-ce que vous pouvez interdire au Rwanda? Il y a comme ça la usine, il y a raffinerie, il y a coltan, ça la moteur. Est-ce que vous pouvez interdire dans Rwanda ça la usine, dans ça la smartphone, dans Rwanda? Est-ce que vous pouvez interdire dans Rwanda ça à extraire gaz, il y a là qui vous la partie naïe. Vos réactions déterminent comment vous allez tomber avec les deux pieds et les deux mains en l'air. Que Kabila, que Rwanda fasse n'importe quoi dans son pays, c'est son pays. Qu'ils construisent les usines pour les smart. Écoutez, au Rwanda, il y a des routes partout. Au Congo, ça n'existe pas. Au Rwanda, les militaires rwandais sont très bien payés. Au Congo, ça n'existe pas. Au Rwanda, les leaders de l'armée et de la politique, malgré qu'il est en train. L'armée rwandaise est disciplinée. L'armée rwandaise est disciplinée. Les enfants sont respectés. Et puis dans l'armée rwandaise, c'est pourquoi vous voyez, vous ne pensez pas que ces gens-là sont extraterrestres. Non. Il y a de la discipline. Mais chez nous-mêmes, vous prenez des incapables, vous leur donnez des responsabilités, ils ne payent pas. Payer les militaires seulement, ils deviennent pas. Les généraux commencent à devenir businessmen. Mais ce sont des gens à arrêter. Ce sont des gens qui doivent être dans des prisons. Ce sont des gens qui doivent répondre. D'ailleurs, ce n'est pas au président de la République de se rassurer et de venir faire trop dans la guerre. C'est au commandant. C'est au commandant. J'ai reçu un appel là, je ne sais pas si c'est qui.
Oui, allô, bonjour monsieur. Je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé. Je ne sais pas si c'était pour entrer dans cette émission, mais je pense aussi que la batterie est finie là. Je vais essayer de l'appeler là. Voilà, on va essayer de prendre la personne pour qu'il intervienne. Je pense qu'il va intervenir. Voilà, je vais essayer de le chercher là. Il est où? WhatsApp. Voilà, ça vient. OK. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonsoir, vous êtes en direct là, vous avez appelé pour l'émission? D'accord. C'était ça la question? Quelque chose avec un moi, d'accord, merci. Alors, ça, c'était un appel. Je pense connaître la personne. On pourra pas aller en détail là. Kozoma Congo, je suis. D'ailleurs, je fais déjà la 16e de marché privé à Kozoma Congo et puis je vais rentrer bientôt. Je vais pas rester ici. On ne restait pas toujours ici. Mais je ne vais pas prendre l'avion pour venir au Congo, aller commencer à aller dans des couloirs pour aller chercher des postes. Je ne le ferai pas. Rentrer au Congo. Tout le monde ne doit pas aller avoir des responsabilités à côté de Félix ou dans le gouvernement ou dans l'armée. Non. Je ne le ferai pas. Je vais rentrer au Congo comme un citoyen qui rentre dans son pays. Si mon pays m'appelle, s'il y a des responsabilités qui sont là pour moi, je prendrai. Et répondre à ta question, pourquoi je ne rentre pas au Congo? Je suis en train de me préparer. Vous savez que Félix a eu le pouvoir, ça fait 10 mois. Et moi, personnellement, je ne croyais pas que Félix allait prendre le pouvoir. Je croyais que Bozar allait pouvoir et puis en train de nous tuer, de faire arrêter les gens. Les choses s'échangent et il faut se préparer à un an, mais il faut rentrer. Il ne faut pas seulement prendre ton avion, tu descends là-bas et que vas-tu en hôtel, au coma, au Nova Sundolibiso, comme on est en train de voir. Je me prépare comme étant un homme. Donc, dès que je viens au Congo, je descends au Congo, je ne vais pas être en indépendance et un gouvernement congolais, à un hôtel, à un en charge, à Kipinga. Quand je rentre au Congo, je vais rentrer au Congo comme si je rentre chez moi. Je vais rentrer au Congo, d'ailleurs, je vais rentrer dans mon village d'abord. C'est là que je vais partir. Si je rentre au Congo, je vais aller dans la terre de mes ancêtres d'abord. Voir comment est-ce que les miens sont en train de se comporter. C'est la réponse que je te donne, mon frère, toi qui m'as appelé là. Je vais rentrer, reconstruire chez moi, au Congo. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est pas une question. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de fanatiques. Vous comprenez? Parce que le vrai problème qui est là, je pense que le président Félix a un sérieux problème, comme j'ai dit. Je l'ai mis dans le sujet là. Je pense qu'il a un sérieux problème. Il est en train de courir certains dangers. Les dangers que Félix est en train de courir, ce n'est pas seulement pour les gens du FCC. Non. Les dangers que Félix est en train de courir, ce n'est pas seulement les dangers pour les gens du FCC. Les dangers que Félix est en train de courir, c'est les dangers d'abord de l'intérieur. Parce que vous devez savoir que. Ce n'est pas seulement la personne qui soulève l'arme contre vous et le couteau contre vous qui est dangereux. C'est comment est-ce que les gens qui sont de l'intérieur, qui sont en train de se comporter vis-à-vis, pendant qu'on protège le pouvoir là. Donc il ne suffit pas de se fâcher. On va te protéger le pouvoir.
Le pouvoir public et politique se protège en collaboration avec le peuple. IDPS est dans la position de force de la Congo. Quand je l'ai dit, je ne suis pas rentré parce que Étienne Tshisekedi de Lumumba, afin d'ici Makambo et IDPS Oyo, pendant des années, il y a un moment donné qui est parce qu'il a la capacité à mobiliser la population. Ce n'était pas quelque chose où la musique à la tombe, on appelle à mobiliser la population parce que sinon les gens les feraient. C'est-à-dire, nous devons rentrer au Congo, arranger les Congos. Prenons par exemple les cas de l'armée. Prenons juste les cas de l'armée. Kabila avait dit, si j'ai des bons conseillers, 15 personnes, je vais transformer le Congo. Mais il avait raison. Je vous garantis que Kabila avait raison. Parce que si les gens qui ont détruit les Congos, ce n'est pas Kabila. Non. Je vous dis tout le temps que ce n'est pas Kabila. Le gouverneur, le responsable politique, le gouverneur des régions. Ngoï Kassan, je sais pas, c'est pas un Rwandais. Quelqu'un comme Ngoï Kassan. Quelqu'un comme Ngoï Kassan, c'est pas un Rwandais. Si vous prenez, excusez-moi. Mon téléphone de quoi? Quelqu'un comme Ngoï Kassan, c'est pas un Rwandais. Si vous prenez quelqu'un comme Lambert Mende, c'est pas un Rwandais. Vous prenez quelqu'un comme les généraux qui sont. Écoutez, moi j'ai toujours dit ça, je ne sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent. L'armée congolaise, Akokoufanzalate, l'argent ne doit pas venir de Félix, ce n'est pas au Sodalia. La solution qui va bâtir la soldat salaire, c'est une solution encore temporaire, ça ne va pas changer vie à la population quand il y a un soldat. Vie à la soldaté. Non. Les militaires, au temps de la paix, doivent être cultivés. 120 000 personnels. Zouaka 60 000, il n'y a pas de militaires. Voilà. Parce que les militaires obéissent aux ordres. Vous prenez 120 000, voilà. La moitié de ces militaires-là, Moussa, comme les militaires obéissent aux ordres, vous cherchez les ingénieurs agronomes, hein, et là, on voit la foufou, Pondou, et qu'on la pendant 6 mois, et bimisinini. Mais est-ce que l'armée congolaise, mettre l'homme au centre de la politique congolaise, comme a dit Félix? Ce n'est pas le fait d'augmenter les salaires. Non! Ce qui surprise, c'est du loco, ils allaient dans le cadre armé. Dans le cadre du gouvernement, les enseignants peuvent commencer à recevoir surplus, il y a du loco. Parce que la population, vous ne pouvez pas leur forcer pas qu'il y ait des bilans. Mais l'armée, au temps de la paix, doit être cultivée. Armée, et comme ça, là, moteur. Il y a économie, il y a Congo. Armée, nous avons le bac à tête que nous foutons un soldat 300 dollars, 400 dollars, 500 dollars. Et ça, c'est ma décision temporaire. Et je me demande vraiment comment est-ce que les gens qui se disent qu'ils sont des généraux, 4 étoiles, breveté d'état-major, technicien, vous êtes des techniciens qui, en papier, théoriquement, vous n'êtes rien du tout. Parce que l'armée, au temps de la paix, qu'est-ce qu'ils font? 120 000 personnels, 150 000, on va même pas 200 000 militaires. Mais est-ce que ça, ce sont les Rwandais qui vous empêchent? Toi qui es le commandant bataillon, que bataillon a yo, ma belle en Congo partout. Mais les gouvernements peuvent vous faciliter la tâche. Chaque bataillon, on a détracté avec des ingénieurs agronomes. Mais dites-moi, ce qui bataillon a là. Après 6 mois. Mais d'abord, un, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous supprimez Mbango et Bimana, qu'est-ce que c'est à l'État? Pour la consommation de Madesou, soldat, les soldats sont en train de planter Madesou, Bangomoko, et ça demande de quelle magie? Ça demande quelle magie? Et quand je n'étais pas content quand le président Félix a accès à ton salaire. Écoutez, les militaires doivent d'abord, au moins, autosuffisance alimentaire et conseil dans la carte armée. L'avantage de cette armée, ça pourquoi? Parce que l'armée obéit d'abord aux ordres. L'armée qui l'a tombé, regardez-vous.
En avant, marche. Léo, Léo, Nandia Bilal. Ce que machine les alliés, bloc les alliés. Armée au sala, moussala, dans le niveau morosa, il était. Non seulement basé la autosuffisance alimentaire dans la caserne, là-bas. Ce qui surplus ces alliés, tout le département moussoso qui sont en difficulté, les enseignants. Alors, surplus, on les a la caserne. Armée, enseignants, pour que vous ayez un peu c'est comme ça que Mao Tchétchou n'avait fait en Chine. Oh, la Chine, comme une boca, monde, comme une grande puissance mondiale. C'était comme ça. L'armée fait le travail pour la population. De toutes les façons, l'armée a le bas, Tokowa pour l'école. Tokowa pour l'école, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Non. Quand Kabila avait dit qu'il n'avait pas de gens, il avait raison. Moi, je ne suis pas contre Kabila parce qu'il est. Non, non, je ne suis pas Dieu, je ne vais pas détailler. Je suis contre Kabila parce qu'il n'a pas pu transformer vie sociale à Congo là. Je suis contre Kabila parce qu'il a laissé des médiocres occuper des postes. Vous savez, Kabila avait pris la décision d'abandonner le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Kabila, l'équipe a politisé congolais, belé la maëlle. Vous voyez bien là? T'es en train de bien là. Kabila, à l'équipe a politisé congolais et belé la maëlle. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Tous les politiciens congolais qui étaient avec Kabila et qui sont pour Kabila, regarde ce qu'ils ont dit. Ah, Mosé, il faut Yokaka. 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 Parce qu'ils savaient que ce que les gens sont en train de me dire n'est pas vrai. Olé m'a poussé, écoute, les tes abonnés, Zoa Olive Lembe, tu as dit Bosso, Olive Lembe, toi qui sois derrière. Non. Kabila n'est pas dupe, Kabila reste stupide. Hein? Je ne pense pas que Kabila. Derrière, de toutes les façons, si vous remarquez d'abord des bonnes accords à Sun City, c'était à cause de flexibilité à Kabila, un plus gouvernement, un plus quatre, Bimaka. Arriver le pouvoir, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh, finance! Même pas une finance. Oh, qu'on a donné les attaques, maman. Après, Bétida, papa, poupou, a récupéré ma solo. La même chose de l'élection il y a 2006. Vous comprenez? Il a fait la même chose. Gizenga, yo, non, moi, pour te soutenir, je ne vais pas Gizenga. On n'a pas soutenir, là. Il faut primature, tout ça. Même avec ce Gizenga, non, 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 la primature, parce que même avec comme ça, il est direct comme ça. La primature, on va mettre les techniciens, mais quand on est allé chez Kabila, c'est là où, sur ce point-là, je respecte ce monsieur. Il a dit, pas de problème, je vais te donner. Après, s'il est primature. Après, à changer sous. Après, boum. Après, boum. Mais lui, il est resté le maître du jeu. Tu vois? Mais les politiciens congolais ne comprennent même pas. Ah, Félix, si on te suit, hein? Ok, comment est-ce qu'on va faire? Nous devons essayer de faire en sorte que. Parce que de toutes les façons, maintenant, F, c'est soit qui va travailler. Il fallait, basak, Félix, voilà. Nakash, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils ont été blanchis. Moi, je ne condamne jamais Kabila dans ma Makamba, Congo. On le condamne parce qu'il est chef. Mais je condamne les Congolais qui ont travaillé avec Kabila. Vous tous ici, vous êtes en train de insulter Kabila. Mais la majorité des gens qui sont rentrés là-bas, dans le Sénat, là-bas, Kabila n'est plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir, mais ce sont les gens qui ont détruit au nom de Kabila. D'ailleurs, les gens qui ont tué au nom de Kabila, ils ont tué. C'est-à-dire, notre problème, c'est les Congos. Comme le frère a dit, pourquoi tu ne rentres pas? Écoutez, rentrer. De toutes les façons, je vous ai dit que je rentre. J'ai écrit, je fais des demandes officielles comme étant congolais, dans le niveau Union Sonazoma. Ce n'est pas que je n'ai pas fait. Je fais mes demandes pour que je rentre. Je suis un homme, un champion qui a les deux pieds sur terre. Je mets deux pieds sur terre. Je ne suis pas parfait, mais je ne peux pas soutenir quelqu'un parce qu'il vient de chez moi. Non. Je ne peux pas soutenir quelqu'un juste parce qu'il est mon ami ou je l'aime. Non. C'est pourquoi je dis à Félix, ici c'est bien, là-bas c'est mauvais. Et même dans tout ça, pour que les Congos avancent, nous tous Congolais, même ceux qui ont travaillé avec Kabila et les autres, nous devons trouver d'abord intérêt d'entente de faire ce qu'on appelle la réconciliation nationale, c'est-à-dire Congolais surtout.
Et puis ensuite, faire les choses correctement, parce que c'est ça qui manque. Au Congo, les gens ne font pas les choses, les politiciens ne font pas les choses correctement. Ils font les choses comme ils veulent. Donc, Félix est en danger parce que non seulement danger à côté de Kabila, à côté de Kabila, les gens vont lui rabattre. Alors qu'on connaît peut-être qu'on perd le pouvoir, peut-être, c'est ils pensent. Mais normalement, la Félix est en danger. Mais bat au yo baso ko abtouré par exemple quand je donne un exemple là il y a Moussa Kabila tu peux pas dire ça j'ai même dit au chef de l'État il faut 70% ou ta arme mais vous oubliez que le chef de l'État c'est pour les Congos parlez au moins au Congo là parlez au ministre là ce sont des choses qu'on va discuter au sein du parti vous allez avoir les informations au moment voulu c'est pas mauvais de défendre les gens qui se sont battus. Mais ce n'est pas seulement les gens de IDPS qui se sont battus pour la libération du Congo. C'est faux et archi faux. L'IDPS représentait l'aspiration du peuple. C'est ça, au fait. À l'époque, l'IDPS, ce n'était pas une fausse à la carte à membre. Comme vous avez dit, une fausse à la carte à membre, Ndesukoyo, Bakpesa, comme la Bino. Non. Ça, c'est diminuer le président de la République et puis c'est continuer l'image et moi que les alliés et l'autre, il y a tout en abysso, quoi. Tolère. On arrive au Congo, c'est toujours un Congo. On arrive. Surtout au Katabilan, on va venir. On va rentrer parce que le Congo nous appartient. Vous comprenez? Donc, ça, c'est quelque chose de sérieux. Frère Wana Bengi, je ne sais pas, Bengi a appuyé dans le numéro, moi, quoi, il y a WhatsApp. Il y a un mot qui est belé. Je ne sais pas, mais je pense que. Ah, j'ai réponse, non. Voilà, et dans toutes les choses, il faut savoir aussi remercier Dieu. Parce que si vous voyez que vous remerciez les âmes, comme tout ça, là, vous avez c'est mon casse. Donc, comme nous avions commencé avec Dieu, tout ce qui s'appelle Toyokamo, Nzembo, après tout partager. Donc, tout ça est uni. Vous devez comprendre que c'est déjà fini. Makamboya. Makamboya, vérité des urnes. Fayou, lui, moi, ici, nous, clairement, là, qui a proposé que ma élection anticipée, ça, les ma, na 2021. C'est-à-dire que, pour moi, ils allaient signer clairement, Fayou, il a lâché prise. Pour moi. Ils allaient signer tellement. Il y a qu'on s'est prise, naïe, il y a qu'on l'a qu'il y a qu'on l'a élection, là, et Sylvie, et Zassoussou, na, ti, na, te. Donc, voilà, tout mes cas, quoi, au Canada, nous, Nzembo, il y a bisous, mon co, pas congolais, avant tout, pour avancer. Voilà, je sais pas pourquoi. Bah. Alex, Amir, c'est quoi? Je n'ai rien trouvé intitulé partout qui peut lire de la musique. Pour Mike. écouter de la musique sur votre haut-parleur, utilisez le nom de l'appareil ou configurez le multiroom dans l'application Alexa. Alexa, Mike Kalamba ici. Alexa, Mike Kalamba. Voulez-vous écouter de la musique par Mike Calambay? C'est ça. Lecture des titres par Mike Calambay sur Spotify.
nom de Christ. Restez positif. N'abandonnez jamais. Même les gens disent de gauche à droite que le Congo gagne d'abord. Restons positifs pour le bien-être du Congolais. N'abandonnons pas parce que des fois, quand nous abandonnons, ils ne savent pas quoi faire. Ayez de l'espoir. Alex, l'espoir. Ayez de l'espoir. Parce que quand vous avez de l'espoir sur votre objectif, rien au monde ne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous savez, les gens aujourd'hui réagissent, ils veulent abandonner les combats parce que les gens de l'IDPS ont fait ceci, parce que les gens de l'AMUCA ont fait ceci, les gens se divisent. C'est-à-dire, on oublie notre objectif qui est le Congo et on se limite dans des divisions. Parce que si nous tous, nous avons un seul objectif qui est le combat, nous allons être tolérants. C'est comme un proverbe à Bassini Balé, la Bible. Moi, je suis un peu plus. L'autre dit, quand il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Je veux seulement que moi, je n'ai pas envie. Vous comprenez? Si nous pouvons avoir les fils que sagesse soit là, vous allez comprendre que même si Félix est en train de commettre des bêtises, et parce qu'il est en train de porter notre enfant qui est le Congo, nous agirons autrement. Mais nous sommes en train d'agir, vous êtes en train d'agir, et bébé. Exactement comme cette femme-là qui disait à Jésus, roi. Ah, Bisakembetia, Orso Antonio de la Rebia, villageois de l'Équateur. Vous êtes en train de réagir exactement. Ah, Ekosimbate, Kabila Kobomaye. Vous parlez de Ekosimbate, Kabila Kobomaye du Congo qui est votre pays comme étant des gens de l'extérieur. Le fait que vous étiez des gens de l'AMUCA ne vous empêchez pas de défendre votre pays. Ne sortez pas, n'abandonnez pas parce que Félix est au pouvoir, parce que les gens qui le soutiennent et qui sont contre nous sont avec lui. Non! Ils ne peuvent pas vous empêcher votre pays. Il suffit juste de revenir à la raison. Maintenant, c'est Félix. Félix qui est président. Qu'est-ce que nous allons faire pour contribuer ici? Non, attendez, là, Félix. Qu'est-ce que nous allons oublier? Macambra, élection, vérité des urnes et allez aux oubliettes. Ok, qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Les choses doivent se faire correctement. 15 millions. Oui, mais il dit 15 millions. Solo, nous devons suivre 15 millions maintenant. Nous soutenons Félix, c'est dans la vérité. C'est lui qui est le président maintenant. Mais nous voulons que le président de la République 15 millions maintenant. Et c'est comme ça que le peuple sera toujours avec vous. Parce que vous êtes en train de suivre la voie de la raison. Vous comprenez? Il faut vouloir accepter certaines réalités. Parce que la réalité est que la vérité des urnes est foutue, c'est parti. Mais ne vous mettez pas à l'écart parce que Félix est au pouvoir et qu'il a tourné à Bango, Mais est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que vous êtes en train de dire? Vous-même là. Votre pays. Depuis que Bango la Bango, Félix a entre ses mains votre pays. Ah, Bakamola Bango va bien gagner ce taliban. C'est-à-dire que vous êtes en train de laisser votre enfant entre les mains de deux étrangers qui se battent. Mais toi, tu sais que cet enfant-là est un bon enfant. Bon, Panzana. Bon, moi, Nanga Koufa. Si tu es sage, tu gendre, tu vas essayer de le calmer. En Mandi, on dit un terme, on dit quelque chose. Monzo Ngo Nangia Moholo. Demandez aux gens qui parlent avec Ngwandi, ils vont vous dire. J'avais mis ça sur mon mur, je ne sais pas, vous n'avez pas compris. À Kingwandi, on dit ceci. Monzo Ngo Nangia Moholo. Vous avez compris? Je vais vous répéter encore. Allez chercher, Ngwandi va vous expliquer. Monzo Ngo Nangia Moholo.
Vous savez, c'est-à-dire que ne vous écartez pas du Congo. Moi, je peux. Personne ne peut m'écarter du Congo. Personne. Si on m'écarte du Congo, d'abord, on ne peut pas m'écarter du Congo. Il est impossible. Je suis villageois de l'Équateur. Mon père est d'Abouzi. Ma mère est de Yakoma. J'ai grandi à Businga-Gbado. Je fais les côtes à Koli. Je fais ma formation. Je suis breveté de C. C'est-à-dire, il est impossible, inadmissible, qu'on me dise, Makamba Congo, la Rokotati. Pas une Rokotati. Vous savez pourquoi on a mis ça? La télé matin, Makamba Congo, pour Félix, je suis président, pour Fayou, la zone opposition, pour Ben Bazar, ce qui est nul. Non, pas du tout. Je fais partie des actionnaires du Congo. C'est-à-dire que quand moi je me lève, je vous ai dit qu'on devrait aller travailler volontairement. Dites-moi parmi vous tous ici, vous autres qui m'avez envoyé la Moussala, ma conseiller, qui a proposé. Je dis, je veux aller travailler volontairement. Parce que ce pays-là, vous savez, quand je pense à quelqu'un comme Mohamed Kadhafi, il a dit, je vais aller travailler volontairement pour mon pays. Il a transformé son pays. Kadhafi, on peut l'appeler dictateur, mais il avait raison d'être un dictateur. C'est des, vous savez, des fois, avec des voyous et des fous et des stupides qui ne comprennent pas, là, c'est en prison. C'est ce qu'on appelle la douce dictature. Vous comprenez? Parce que les gens qui ne comprennent pas, ils doivent être rééduqués. Kadhafi, quand il était au pouvoir, il a construit son pays. Les gens avaient des bourses. Tout le monde avait des maisons. Il y avait des routes. L'eau était gratuite. L'hôpital était gratuit. Tout était bien. Ils voulaient le ciel. Regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus. Vous détruisez toujours ce qui est mieux pour vous. Vous espérez d'avoir quelque chose de meilleur. Mais en réalité, vous refusez d'être les acteurs du changement. Vous préférez être des observateurs, des analystes. Ah, je suis Félix, c'est bien, tiens. Ah, t'as ça, pas toi là. Mais ça servira à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Le vrai problème, c'est que même avec le Rwandais, comment nous allons parler? On ne peut pas empêcher les Rwandais de construire les usines. C'est stupide, ça. Je ne peux pas me mélanger à vous. Oh non, tu as boycotté smartphone à Rwanda. Ça n'a quel sens. Vous n'allez pas empêcher les autochtones de l'Est. Vous savez, les autochtones de l'Est. Madame Abili, je ne pas à Rwanda, on va compter comme l'on là-bas. Renseignez-vous, on va vous dire. Hein. C'est-à-dire que la politique, il faut aller au moins à un niveau écolo. Vous êtes en train de réfléchir. Des choses sérieuses pour le Congo. Écoutez, quand vous ne répondez pas à une personne parce qu'il est en train de vous parler, ça ne veut pas dire qu'il y a Zoba, non. Soit vous calme, vous savez, des fois, il y a certaines choses, il faut toujours savoir. Vous savez, quand vous avez dans votre cœur le vrai amour, hein, je ne parle pas de l'amour, il y a sentiment, parce qu'il y a une confusion entre amour et sentiment, là, vrai amour. Le vrai amour, c'est quand quelqu'un que tu aimes fait quelque chose de mauvais, mais tu continues de aimer la personne, mais tu as la colère contre l'action. Vous savez, c'est quoi les défauts? Les défauts, c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas. À quoi donc on la monter? Il a faiblesse. Faiblesse, c'est nous maintenant qu'on quitte. Il a besoin d'aide. C'est ça, les défauts et les faiblesses. Nous devons aider notre frère Félix à marcher correctement dans l'histoire du Congo. Si vous décidez de ne pas l'aider, tant mieux. Mais sachez que vous êtes en train d'abandonner votre pays, votre trésor. C'est vous, ça, c'est votre choix. On ne va pas venir. Moi, je ne peux pas dire que non, Congo, parce que votre Félix, quand ça a un mot équateur à cause de la première Félix, parce que votre Félix, mon arrangement. Non, je ne le fais pas pour eux. Je m'en tape en tout cas. J'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour le président. Quand je suis en train de me battre pour le Congo, je me bats pour le Congo. Et surtout pas pour les postes. Là, à l'aise, là, peut-être, là, courageux, mon bois, là, il était. Là, il y a un monde, là, il y a un monde. Là, mon toit, il y a un monde. Là, mon toit, il y a un désert, il y a un mois après. Vous avez remarqué que, dans l'eau, on attend l'eau, on va manquer pour l'eau. Il y a une personne, n'oubliez pas que, là, mon toit, il y a bien formé dans ma campagne survie. Donc, il y a un signe, là, il y a un monde. Président va au boutiste et non corrompu. Ça dit, sur l'ignaté, mis le mot là, il y a mon ami, on en a, et des commentaires, il y a pour finger, il y a insultes, il y a division sur ma page. Je t'enlève avec amour.
Vous comprenez? Dans le milieu à l'aise. Apporter les idées constructives. Laissez les gens qui ont des possibilités de faire des choses mieux qu'ils les fassent. Ne gardez pas toujours la colère envers les autres. Essayez de vous comprendre, de vous supporter. Parce que le Congo, c'est notre pays. C'est anormal que les jeunes gens, nous avons aujourd'hui des quarantaines, plus de 40 ans aujourd'hui. Il y a des jeunes gens qui ont 25 ans, 22 ans, 26 ans, qui finissent le diplôme, ils n'ont rien à faire. Et nous sommes toujours là, nous sommes en train de dire que nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas des jeunes, nous sommes des papas. Nous sommes des papas, nous sommes des responsables. Nous devons aller au Congo créer de l'emploi. De l'emploi, on ne les crée pas seulement en étant la présidence avec Félix. Parce que vous savez, je vais vous dire un secret. Les responsables tels que Félix, Mobutu, Kabila, la position à Kominango, il va être pris en otage par les gens qui l'entourent. Et c'est tout ça, toujours été comme ça. Parce que lui, c'est comme ça le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que son cas en attaque, c'était, il faut comprendre qu'à un certain moment, les gens autour de moi sont... C'est la même chose que ça a été la chute de Mobutu. Les gens autour de lui lui ont induit en erreur. Je vous ai donné une histoire, mon histoire à moi. J'étais le jeune officier qui était sorti avec tous les Mobutistes le 16 mai. Kabila est entré le 17 mai. Dernier avion. J'étais dedans. Je vous ai dit parler de ça. C'est-à-dire que je connais les choses que moi je suis en train de vous dire. Je ne suis pas seulement en train de vous raconter oh, parce qu'on est sur des réseaux sociaux. Non, j'étais là. Et il y a encore de ces vieux-là qui sont à Kinshasa là-bas, ils sont vivants. Et c'est ça que moi je vous disais. Si moi je prends mon avion, je rentre à Kinshasa. Mais je plains des gens qui sont avec Kabila. Et ils vont me dire ça va, je vais me retrouver. Je veux me retrouver, c'est pas que je ne peux pas, non. Je ne suis pas parvenu, non. Mais Dieu à moi, pire, ok, je ne peux pas dans la position calée. Et que tu es un peu comme un équipe, tu es un peu au Libaya. Tu es un peu au Libaya, tu es un peu au Yoki, tu es un peu au Moto. Mais quand vous avez l'amour de cette nation, vous allez faire les choses justes. Moi, j'étais parti en Inde, savoir étudier la personne de Gandhi. Je suis parti, j'ai compris quelqu'un comme Jerry Rawlings, celui qui a transformé les Ghana. J'ai rencontré quelqu'un comme Jerry Adams de l'Irlande du Nord ici. J'ai rencontré des gens qui me disent non, quand tu fais ça, c'est pas normal. C'est quoi ton objectif? Tu veux aller au pays, mais toi, tu n'as pas de boulot. Commence d'abord à chercher du boulot. Tu trouves le boulot, non, ça, c'est pas suffisant. Tu ne pourras pas aider ta famille. Comment tu vas te battre pour le pays? Tu vas voler. Soit suffisant. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est en train de parler ou de dire des choses comme ça, le frère là qui a demandé, tu ne veux pas rentrer, je ne veux pas prendre mon avion et rentrer là-bas, aller commencer à commander. Non, je ne le ferai pas. Je fais des demandes, je fais ce qu'un Congolais peut faire pour son pays, je le fais. Que ce soit par des voies formelles ou informelles, je le fais. Officiel ou je le fais, et je ne suis pas un commandeur de boulot, non. Je suis là pour avoir des responsabilités parce que je suis convaincu que ces gens-là ne travaillent pas bien. Et comment je sais qu'ils ne travaillent pas bien? Parce que je sais que moi, je ne ferai pas les choses comme ça. La première chose, d'abord, renonçons à nos salaires. Vivons avec l'argent de l'État, maison, nourriture, transport, école de nos enfants, bingo. Pendant 5 ans. Redressons notre pays. Et c'est là que vous allez comprendre vraiment si les députés, si les politiciens que vous avez comprennent ce qu'est sauver les Congo. C'est pas parce que quelqu'un qui est devant la télévision, il y a sa voiture qui est à côté et à la fin du mois, il touche son salaire de 8 000 $ ou 15 000 $ qui va venir te dire, écoute, je me bats pour la population, il doit partir. Non. Se battre pour la population, c'est aussi sa dignité. La dignité. Toi, tu es député à côté de Monsoki, à Kara, Monsoki, à Wapikuna, et les gens dans ton village, j'avais des photos qu'on m'a envoyées à l'Équateur, les enfants, ils ont l'école, les alliés, ils étaient à Mbila. Ok, je me suis juste posé une question.
Tol mo les a combien? Oh non, comment à tout tol ba tol les a ba 6 dollars, ba 7 dollars, ba 8 dollars. Tol mo ko 7 dollars, 8 dollars. Nous étions à l'année à Pamba, à Congo. Attends, la brique cuite, beaucoup tonga. Que bossa la banne à bino, classe et à tes soumbou, les obètes et en arrêté. Et mais quand je vois les gens qui disent qu'ils sont des politiciens, je me pose la question, pourquoi vous soutenez tous ces politiciens-là? Surtout les originaires de l'Équateur, ça m'énerve d'une façon, vous n'avez pas d'idée. C'est pourquoi je me suis dit, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui a déjà eu de responsabilité et qui n'a rien fait. Je ne pourrais pas. Tolle 6 dollars. 10 dollars. C'est-à-dire que tu as la capacité. Capacité. Il y a Kosomba, ce qui 1000 tonnes. Na moi, na yon moko, toi, bagage, on a 6 000 dollars. Pour ma école, nous sommes tous, à ta 10 écoles, na territoire na yo. Parce qu'on est fils que manzanza, parce qu'ils auront la possibilité à retirer ta banzete, comment on va mettre à retirer.